sont magnifiques, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si elle est masquée jusqu'aux oreilles, on devine le sourire de satisfaction de Sarah lorsqu'elle défourne ses muffins. Depuis le début de la crise, cette professionnelle du tourisme qui vit à Paris a beaucoup de temps libre. Elle le consacre à aider les autres et ça passe par la préparation de gâteaux qu'elle et tout un réseau de cuistots amateurs destinent au personnel hospitalier. Grâce aux réseaux sociaux, ça a pris de l'ampleur très rapidement parce que ça s'est formé fin mars. Et il y a maintenant plus de 4000 pâtissiers volontaires qui cuisinent un peu partout en France. L'opération baptisée Vos gâteaux a connu un tel succès qu'elle s'est développée aussi à Londres, Bruxelles et Luxembourg. 300 000 parts de gâteaux ont été distribuées non seulement aux soignants, mais aussi aux pompiers et aux étudiants qui n'ont plus de revenus. Sarah a voulu apporter sa pierre à l'édifice, mais elle s'est fixé un objectif supplémentaire, n'utiliser que des produits de saison. Alors, je vais faire des muffins qui peuvent paraître surprenants, mais c'est bien des desserts. Je vais faire des muffins à la courgette et à la pomme mélangés. Mais c'est bien un dessert, c'est sucré. Le muffin, c'est un gâteau typiquement anglais, né au XIe siècle au Pays de Galles. Mais son étymologie viendrait de l'ancien français « mufflet », désignant une recette de pain sucré mou et tendre. Comme Sarah prépare des plats pour les hôpitaux, elle doit respecter une règle, utiliser des gants et un masque. Quand le four tourne à régime, le masque tient un peu chaud, mais c'est pour la bonne cause. On va commencer par éplucher la courgette. L'idée, c'est de réutiliser les épluchures dans les muffins pour la décoration. Elles doivent être taillées de manière bien régulière. Elles apporteront une touche de couleur vive. C'est la pleine saison des courgettes, la version printanière de toutes les cucurbitacées. Peu caloriques, pleines de vitamine C et de fibres, c'est l'aliment santé par excellence. Maintenant, je vais peler mes pommes en quartier. Il faut les préparer à la dernière minute parce que les pommes noircissent très vite. Elles doivent se tenir bien, donc pas de golden ni rien, il faut qu'elles soient bien fermes. Mais j'aime cuisiner en général, je suis italienne, donc voilà. C'est un peu génétique. D'abord, elle mixe la chair des courgettes avec les pommes. Elle y ajoute 4 battues. Ensuite, je vais ajouter de l'huile de tournesol. Pour la préparation de son appareil à muffins, Sarah a prévu 320 g de farine, un sachet de levure, une cuillère à café de sel, 100 g de sucre de canne, une pointe de cannelle, des raisins secs et des noix de pécan, et elle mélange le tout. Ce qu'il faut savoir avec les muffins, c'est qu'il ne faut pas trop mélanger la pâte, parce que sinon les muffins deviennent secs. Une fois mélangé et déposé dans des moules en silicone, direction le four pendant 25 minutes à 180 degrés. Sarah réserve sa cuisine 2 fois par semaine pour cette œuvre caritative et elle est loin d'être la seule dans le quartier. Audrey a 23 ans, elle travaille dans la mode et la mode en ce moment, c'est la solidarité. Bonjour Alban. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez de beau pour nous aujourd'hui? Je vous montre. Régulièrement, elle récupère les invendus de pain de sa boulangerie pour ceux qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plein de viennoiseries, je vois en bas. Ouais. On a des brioches, on a des brioches alsaciennes, on a de la viennoise. Et là, on a des pains spéciaux qui sont des pains qu'on garde très très bien, avec du seigle, des graines, plein de bonnes choses, avec des farines bio. Mais le gros de son investissement est consacré à centraliser tous les gâteaux préparés par les dames du 16e arrondissement. Le hall de son immeuble est devenu un immense garde-manger et devant l'entrée, sous la pluie, chacune compare ses œuvres d'art culinaires. Ouais, il y a la pression, c'est dingue. Un peu, ouais. Il y a des pressions positives. Une pression positive. Il y en a qui ont des petits contenants aussi, limite pro. Hein. Mais chacune partage ses recettes. Et justement, Sarah vient déposer sa collection de muffins. Bonjour André, ça va? Oh là là, ah, dis donc, c'est génial cette collecte aujourd'hui. Ouais, tu vas bien? Tu nous as apporté. Voilà. Je vous ai apporté aujourd'hui des muffins courgettes pommes. C'est des gâteaux, c'est des desserts, j'espère qu'ils vont aimer. Ça va être un peu différent. Super. Un médecin nous a alerté en réanimation que le midi, ils avaient une compote pour deux à se partager. Donc ils n'avaient pas de quoi manger, ils ne peuvent pas sortir, ils arrivent le matin, ils repartent le soir. Les cantines sont fermées, les cafétérias sont fermées. Ils n'ont pas de quoi, pas le temps, etc. Donc on essaye de leur apporter des petites douceurs, des gâteaux. On essaye aussi d'apporter voilà, des repas, des risottos, des pâtes. Depuis le déconfinement, la collecte se poursuit car cette crise a réveillé les consciences et suscité un véritable élan de solidarité. D'ailleurs, le vrai problème, ce n'est pas le manque de dons, mais comment réussir à tous les caser dans les voitures pour les distribuer.
Même sous la pluie, Sarah a tenu à livrer l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Ses cakes courgettes pommes devraient faire l'unanimité.